Un mort. Deux morts. Salut les amis, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit peu de Rainbow Six et ça va être un petit peu comme dans la peau d'un requin. Sauf que je vais le faire en live tout simplement et j'ai reçu ma petite souris, ma nouvelle tout simplement. La EC2B qui est la même que la EC2A et je me suis dit tout simplement que j'allais le faire avec vous parce que je me prépare pour le projet Ares qui va sortir. Donc c'est la structure Ares prévoit de financer une équipe à hauteur de 1 500 € par joueur pendant un an, donc sous contrat. Ce serait un vrai salaire et tout simplement... Voilà, ils vont organiser un mini tournoi. Donc évidemment, s'il y a la possibilité, on va s'y inscrire. Et à côté du Six Invitational, du coup, je m'entraîne énormément. Là, voilà, on n'est pas sur Fortnite, c'est pas Dr. Horse le boss, c'est moi. Voilà, c'est moi. Et je vais essayer de vous montrer ce que je fais. Ça, je sais faire au moins. On a trouvé une petite game sur consulat, une carte qui est relativement sympa à jouer. Elle est basique, ça devrait le faire, on sait comment jouer dessus. Alors on va se faire un petit peu plaisir. Là-dessus, je vais prendre une Ibana parce qu'elle est absolument vitale. Et je vais essayer tout simplement de rusher les anti-spawn kills les plus connus. Donc cette fois-ci, bureau du PDG, vous le savez. J'ai ma petite technique que j'ai appris il y a longtemps. Les petits coins de fenêtre, ça fait toujours beaucoup de dégâts et ça fait bien bien plaisir. Ok, alors, le petit drone, on va essayer de l'utiliser différemment. En tout cas, mieux que la plupart des viewers qui vont regarder cette vidéo. C'est-à-dire qu'on va essayer de le rentabiliser. On va prendre l'information de où sont les mecs et ensuite on va aller sauver notre drone. Alors, tout simplement, c'est pas au top. C'est peut-être du garage ou en tout cas, s'ils ont choisi lobby, c'est pas cool pour eux. Ok, c'est du garage. Il y a du bandit. Très bien. Et du coup, je vais préparer mon insertion au top. Donc, je vais me mettre un drone pour l'administration. Et là, on prend les infos sonores. On va reprendre l'information vite fait et on va aller s'occuper des Romains. Il y en a un qui est au niveau de la table renversée. On va attendre, on sait jamais, peut-être qu'il peut passer par là. On va rentrer et on va aller chercher les Romains. Ok, elle est partie vers, piano et je l'ai complètement raté. Où est le C4? Rater le C4. See you on the other side. Ok. Et 2-1. The diffuser has been recovered. Doucement. Ok, la caméra qu'on voulait, elle était là. Donc du coup il y en a encore un SK jaune je crois. Attention. Contact. Et le dernier. Où il est? Nice. Woo. Petit souci qui a fait que je me retrouve avec une recrue du coup. C'est pas grave, on va essayer de se débrouiller hein. On va jouer à la recrue. Ça va être rigolo. Ok, c'est parti. Un petit spawn kill recrue. Alors on va essayer de monter au top et d'aller le récupérer à la recrue. On peut se tenter un petit rush hein. Un mort. Deux morts. Un pec. Encore un. You have entered an enemy controlled area. Leave now. Your location has been compromised. Ok, donc il est mort là-haut. On y va, c'est parti. Dans toi, je blesse. Dans toi, je blesse. Ah, c'est ça, va. 20 seconds left. Right in, please. Et voilà! Il me fait pas confiance aussi! Un carnage à la recrue! Même pas eu besoin du shotgun en fait, c'est extraordinaire! Alors pour le coup, on va se reprendre une petite Ibana, tranquille, pépère détendu, tac! Et on va rusher l'anti-spawn kill puisque cette fois je pense qu'ils vont aller au top tout simplement! Et du coup, il y a facilement un double kill à prendre sur le bureau du PDG! Et un petit double kill comme as, ça fait extrêmement plaisir! They have a capcan. C'est bien, il me prévient qu'il y a du spawn kill, mais je sais pas où en fait. Et du coup, c'est à moi d'anti-spawn kill là. Alors,
Normalement, il y a toujours un kill à prendre. Alors, fais voir. Assez incroyable, la trace de sang est au niveau de la tête, juste derrière. Pas rien dire. Les balles et puis elles traversent, genre elles vont à travers et tout. Ok. Ok, alors ici, basiquement, on va récupérer notre petit gilet parce que l'hiver ça fait froid, hein. C'est bientôt Noël, va falloir s'habiller. Pick up armor. Ok, je vais renforcer mes chiottes. Hop, on renforce ça sur les toilettes. On a un drone de Twitch qui essaye de troller et qui est absolument pas bon. On va les faire balayer un peu sur le screen qui voilà. Hop, on va tout ouvrir. Là, là. Et on va se tenter un petit spawn kill. Visa, le spawn kill qui passe ultra bien ici. Juste, vous prenez l'angle là au niveau du coude du poteau derrière. Et on attend, sagement. Alors. Y'a pas spawn bizarre. Je l'ai touché, mais ça passe pas. Ok, il y a un rappel là. On va attendre. Hop, une switch qui passe dans le viseur. Ça fait toujours plaisir et du coup on peut sortir récupérer l'autre. Voilà. Bad move. Ok, du coup ça fait déjà deux sorties sur un spawn kill. Il y a 40 secondes qu'on passait tout simplement. Donc c'est très bien. Alors on va quand même faire gaffe au garage. Loading new magazine. Where from? On va essayer de le récupérer ce coup. Parce que bon, je suis quand même un minimum teamplay. Ok, il est en rappel. Donc on va essayer de le sortir. Alors. Un troisième, hop, je vais pouvoir aller chercher mon pote. Et le dernier, je sais pas où il est de toute façon. Et avec un peu de chance, j'arrive à l'avoir sur une caméra. Et non, je ne l'aurai pas sur une caméra malheureusement. J'ai pris un capcan, c'est une superbe expérience. Je suis à 40 HP. Bana, go, Bana. Il y en a un qui roam ici. Je suis sûr qu'il y en a un au niveau des chiottes. Il en reste un seul. Let's go mon pote. Ok. Ma foi, c'est une victoire. J'ai pas servi à grand chose alors que j'ai 6 kills kill comme je sais pas quoi. So les amis, j'espère que cette petite partie vous aura plu, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous proposer ça en vidéo tout simplement. Je voulais vous faire une petite annonce, alors la boutique de la Team Shark est encore ouverte jusque après Noël en fait, on va dire jusque Nouvel An. Donc vous pouvez regarder dans la description si vous voulez un pull, un t-shirt, une tasse. Il y a plein de petits trucs sympathiques qu'on pourrait partager tous ensemble. C'est un design qui a été fait pour vous, par une amie à moi tout simplement. Donc voilà, si vous voulez, profitez-en et n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça m'a fait extrêmement plaisir, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite partie dans les commentaires. Et encore une fois, j'espère que ce gameplay aura été utile et agréable pour vous. C'était White tout le monde, je vous fais des gros bisous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau live. Ciao tout le monde, peace.